Fait que, comment c'est parti les soirées de l'humour? Comment c'est parti les mardis de l'humour? Ça c'est drôle parce que je m'en rappelle honnêtement comme si c'était hier. Les gars, on est sortis de l'école en 2016, puis fringant, rien dur, ambitieux. On s'est dit, on se porte une soirée d'humour. On l'a fait. Pendant notre première soirée, à un moment donné, je regardais le public, puis il riait. J'ai su que cette soirée-là, ça allait devenir un incontournable à Montréal. Ben, à date, on a fait une soirée, là. Mardi passé, ça a super bien été, là, mon Henri. Là, c'est sûr qu'on se demande, est-ce que ça va être autant plein la semaine prochaine? Est-ce non, que non, va... non, non, coupez. Alex, tu peux-tu couper, s'il te plaît? J'aimerais ça te parler, là. C'est-tu correct? Non, non, il y a rien de... Rien dans la chambre. Oh, pas long, Alex, on va juste... Tu y crois-tu, Jean, en notre soirée, ou... Ben ouais. Okay. Simon, tu y crois-tu, toi, en notre soirée? Si j'y crois! C'est cette attitude-là que je vois au champ, là. T'as l'air d'en foutre carrément, on dirait que tu crois à rien. C'est quoi ce moment où on est stressé pour la deuxième? Chris! On veut que le monde pense qu'on est la meilleure soirée d'humour à Montréal. Pas qu'on est stressé de savoir s'il va avoir du monde pour la deuxième. Chris! Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, mais les gars, on l'a juste fait une fois à date, là. Là, les gens ne savent pas ça. Là, tu peux bien leur dire n'importe quoi, ils vont te croire, là. C'est sur Internet, Charles. Donc, t'as préparé une feuille de trucs à dire. T'as juste à lire la feuille pis avoir de la confiance. Es-tu capable de faire ça? Peux-tu faire ça pour nous? Oui. Alright. Ok, Alex, on va revenir, on va retourner ça. Okay. Honnêtement, on espérait que ça devienne gros. C'est devenu énorme. Nous, on a demandé une balle de golf. Là. C'est ramassé avec un ballon de Kinball. Omni-Kin, deux choses. C'est pas le genre d'humour que je fais. Là. C'est tout le temps une petite comparaison comme ça. Après le Mont-Royal, les mardis de l'humour au West Shefford est l'incontournable à Montréal. C'est quand même dans Narcity. City. Là. Je peux te voir. Je te le montrerai tantôt. Martin Mapp, lui, il est déjà venu à notre soirée puis il a dit les gars, vous êtes mes idoles. Tu sais, la plupart de notre public nous a dit qu'on a changé leur vie pour le mieux. Là. C'est pas rien. Ben, il y en a qui nous racontent des affaires. Il y a un gars, moi, qui est déjà venu me voir après la soirée puis il m'a avoué que la journée même, il avait pensé à s'enlever la vie. Après la soirée, il pensait à faire un enfant. Tu vois, avant de venir, il pensait à la mort, puis après, il pensait à créer la vie. Je trouvais ça tellement beau. Hein. C'est cool. Puis, c'est là, il est quoi aujourd'hui? Il est mort, il y a eu un accident de char. Il y a une soirée où est-ce qu'on on avait tellement fait rire un sourd que lui, il a retrouvé Louis. Et mardi de l'humour, c'est à tous les mardis, à 20h30, au pub West Shefford, sur Mont-Royal. 8$ réguliers. 5$ étudiants. Puis on sert de l'excellente bière de microbrasserie à seulement 4$ la pinte. Ah, là, c'était bon, man. Là, t'as l'air d'y croire. Mais c'est parce que ça, c'est vrai, là.